Maguette Diaw, de Kissi Gorbi, n'est que président de l'association des usagers des lacs et cours d'eau Mouy au lac. Nous sommes venus pour célébrer la journée nationale de l'arbre. Nous avons fait une fille de Mbayen, c'est de Kibunyor Golem. Pourquoi choix au Golem? Mouy Golem a fait un village bon ramené, a fait un village modèle de conservation de la biodiversité. Village modèle de conservation de l'arbre. L'autre, nous avons fait. Si vous avez fait une fille, nous avons fait ça. Nous avons fait des bâches, mais nous avons fait souffle l'arbre à palabre. Nous avons fait des magnifiques dans le top, des filles qui ont fait des filles, des filles qui ont fait des filles, des filles qui ont fait des filles. Nous avons fait des bâches, des filles. Donc, déjà, nous avons fait des garabes. Quand nous avons fait des garabes, nous avons fait des garabes. Nous avons fait des garabes. Nous avons fait des garabes. Conservation, nous avons impliqué. Nous avons impliqué les gens. Impliquer les enfants, impliquer les gens, impliquer les gens, impliquer les gens, impliquer les gens, parce que les gens ont beaucoup de choses. Comme les gens ont beaucoup de choses, nous avons dit tous les enfants, les gens, les notables, tous les gens sont venus à prendre les gens et les gens sont venus comme nous l'avons dit. Voilà, je vous ai dit maintenant, Nous avons fait des choses. C'est ce qui est important. Les arbres sont les habitats. Les arbres sont les petits, les petits, les petits, les petits, les petits. Ils devraient vivre comme nous. Donc, si vous avez un arbre, il faut que vous ayez une maison pour vous. Vous avez un arbre, un bâtiment, pour qu'il n'y ait pas d'habitat. Si vous le regardez, vous devez faire très attention à l'arbre. Comme nous l'avons fait, le président de Touba, nous avons tenté de faire des gens pour Amal Kafi. Comme nous l'avons fait, c'est la région de Djourbel. Le gouverneur de la région Saint-Louis, l'inspecteur régional, le département Podor, nous, l'association des usagers des lacs et cours d'eau, nous l'avons fait ici, dans la commune unique, dans le village de Golem. Quel appel vous avez lancé sur Sindaoui et Djigeni? L'appel que nous avons lancé sur Sindaoui et Djigeni, c'est qu'ils font. Et vous savez que la garab, c'est la vie. Nous faisons la garab et vous savez que la garab est la vie. Ici, nous sommes aujourd'hui, c'est la garab. Notre lali, c'est la garab. Notre meuble, c'est la garab. Et nous sommes gorgorlu aussi, si tu n'as pas de route, tu sais que c'est ce que tu as besoin. Parce que aujourd'hui, si tu es dans la ville, tu as un tol, il te dit que tu dois associer la garab à la tol, comme ici, nous le faisons. Mais si tu sais que tu as besoin, xam nga ni japp nga ni mënul and ak garab bo goré ben garab fi ci sa tol na nga jëmbat ñaari garab ci fenen parce que bo wax da ngay compenser li nga xamni mom ngay def mom nga yaq loolu lañ wax pour leur payer wa partenaire yi nga xam mom lañ fi am nak wax deug yalla ki ci jitu moy West Africa Farm jappalé nañ ci ay moyens financiers ci walu RSM jappalé nañ ci ay conseils jappalé nañ ci walu yépp ci logistique ba bis bi réussir benen partenaire bet moi Nit FM, nous sommes avec journalistes, nous avons fait une affaire directe, vraiment nous sommes contents. Ben un partenariat avec moi, réseau Binga Hamta, nous sommes avec Saint-Louis, Djogéfe, des journalistes. Nous sommes avec moi la presse. Dans ma presse, quoi qu'on sache, nous sommes avec nous. Parce que la mission noble, si je pense que je suis Cheikh Ahmed Tidiane, je suis journaliste, je suis la mission de l'honneur. Parce qu'on sait qu'il y a des choses ici, dans Takoussane, des choses dans Penkou, dans Takoussane, il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui ont une mission. Et la mission, c'est une mission presse. Aujourd'hui, nous sommes venus pour célébrer, pour amener notre partition sur la journée nationale de l'arbre. Comme vous le savez, le président de la République et son ministre de l'Environnement et de la Transition écologique célèbrent cette journée à Touba, dans la région de Djourbel. Le gouverneur de la région Saint-Louis et l'inspecteur régional des eaux et forêts célèbrent cette activité, cette journée dans le département de Dagana.
nous, en tant qu'association de base, en tant que communauté, en apport avec nos partenaires, l'Office des lacs et cours d'eau, OLAC, et comment dirais-je, l'entreprise West Africa Femmes et le service technique des eaux et forêts du secteur forestier de Richatol, en collaboration avec le chef de village Mbayen, nous célébrons cette journée ici à Mbayen, sous l'arbre à palabre. Nous avons choisi de ne pas chercher des tentes, mais on se reste sous l'arbre à palabre pour démontrer de plus en plus l'importance de l'arbre. Et justement, vous avez dit qu'il y a des personnes qui sont là et qui doivent pérenniser justement les arbres par rapport à leur... C'est des personnes modèles, ouais. Comme Sini Mbaye qui habite à Mayel, originaire de Golem, le chef du village Barafal, le notable Lamine Gueye et tant d'autres personnes, Boubacar et autres, qui sont des véritables conservateurs communautaires de la biodiversité. On travaille ensemble dans l'ADAPAC, on travaille ensemble dans l'EGET, mais c'est des conservateurs de l'arbre et de la biodiversité. Et qui dit conservateur de l'arbre, qui dit protection de toutes les espèces animales. Donc c'est un don de Dieu, l'environnement est un don de Dieu, les arbres c'est un don de Dieu, donc on doit les préserver. On doit les préserver pour vraiment lutter contre l'effet néfaste des changements climatiques. Le message à l'endroit des jeunes et des femmes. Ah, le message à l'endroit des jeunes, c'est de les appeler à conserver, à planter des arbres, mais quand même à les entretenir. Planter des arbres, c'est bien, mais les entretenir aussi, c'est très bien. Voilà. Peut-être, voilà, je remercie les membres. Ouais, à l'endroit des partenaires, West Africa Femmes, NIT FM, le chef du village. Et c'est un entourage, l'Office des lacs et cours d'eau. Nous remercions tous nos partenaires et les services techniques des eaux et forêts du secteur forestier de Richatol. On les remercie de nous avoir accompagnés et de nous avoir fourni des espèces, dont l'arbre parrain, c'est le manguier. Ils nous ont fourni toutes les espèces qu'on a besoin, dont le manguier, pour que cette activité soit belle. Merci beaucoup. Merci la presse.